Hey, salut à tous, c'est Ace et on se retrouve pour l'épisode 3 de Bioshock Infinite. Putain, j'arrête pas de bugger cette intro, c'est pas grave. Donc, on se retrouve, la dernière fois on avait avancé, on continue de se diriger vers Monument Island et on avait vu qu'il y avait ces machines, du coup on va y quand même regarder ce qu'elles nous donnent. Corbe, oh putain, ok, on verra plus tard. Elle coûte un peu cher. Puis là, rien. Ça ira, pas besoin de trop de munitions. Je me demande si le son est pas un peu fort. Merde, je suis con, mais je suis con. Bon, là, il y a un kinétoscope, mais j'ai un peu la flemme, je vous avoue. Hop là, t'es mort. Et d'un. La tête au fond. Allez, comme sur CS. Merde, raté. Brave. Ils sont où? Je les ai cramés. Hop, je préfère vraiment le flingue au final à la mitrailleuse. Simplement parce qu'on peut one shot et puis même parce que la précision est quand même bien plus importante avec le flingue. Toi je t'ai visé, ok je prends tes munitions. Toi t'as rien, je prends aussi tes munitions. Toi t'as de la santé. Toi aussi. Ok, parfait. Là-bas il y a une tourelle, ça c'est chiant. Là-bas il y a un mec. On t'a. Oui, je t'ai vu, c'est bon. Ah merde, il y a encore toi. Oh merde. Il est où le dernier? Ah là. Par contre, j'ai perdu. Où est-ce qu'il est le dernier? Il y en a encore un. Là-bas. Parfait. Toi, t'es vide, t'es donc inutile. Un kit de soin. Oh, c'est quoi ça? C'était peut-être son flingue. Merde, je l'ai pas eu. On va essayer de brûler un peu. Parfait. Ah, et par contre, il y a toujours elle. Je fais un peu attention. Parfait. Ça va, on s'est pas trop mal démerdé. Ok, là il y a des cristaux. Parfait. On a refait le plein. Il y avait un mec mort ici. Non? Très bien. Il n'était point mort donc. T'as quoi à me donner? Des munitions de mitrailleuse, parfait. Toi t'es vide. Ça on ramasse. Plus personne? Plus personne apparemment. Bon bah c'est bon. Ah, encore des munitions. Toi t'es vide. Des aigles d'argent. Est-ce que je peux rentrer là, genre? Oui, je peux rentrer là. On fouille. Est-ce que je peux prendre, genre, le... Non, je peux pas prendre le flingue pour me faire des munitions. Tant pis. Là, encore un bureau. Parfait. Les rangements, on peut fouiller. Cela aussi. Cela non. On est presque full life. Boire whisky, non. C'est rare. Fumer cigarette, non plus. J'aime pas prendre les trucs qui donnent des malus, généralement. Sauf si vraiment je suis en crise, genre si j'ai vraiment pas d'autre choix, si j'ai vraiment plus de vie et que j'ai pas mal de cristaux, oui, je le prendrai. Mais sinon, non. Ok, c'est bon, on est full cristaux. Parfait. La bouteille, non. Est-ce que je peux fouiller d'autres trucs? Non, 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 non. Ah. Parfait. Du coup, j'ai combien? Ok. Je pouvais fouiller le bureau, je crois. Parfait. On va le fouiller de l'autre côté aussi. Je suppose qu'on peut. Ah bah non, on peut pas. Bon bah très bien. On continue du coup.
Là, il y a encore des machines, mais c'est toujours le même prix. Hein. Là, c'est toujours ça. Ok, pas de problème. Et là, on arrive sur l'aérotram. Nous sommes désolés, mais Monument Island est fermé. Vous devez partir. Les travailleurs peuvent rejoindre l'île en empruntant l'aérotram. L'aérotram, hein? C'est comme ça qu'ont débarqué tous ces flics pendant la tombola. Effectivement. Donc on peut pas prendre le bateau, donc on va prendre l'aérotram. Accélérer avec elle. J'ai aucune idée d'où je vais. Bon, on accélère et puis voilà. J'ai chaud. Ok, bon, voilà. J'ai un peu paniqué. Il était pas mort avec mon coup. Putain. Non, non, je cherche pas à vous nuire, je cherche rien du tout. Je cherche juste la fille. Ici, y a rien, très bien. Donc en fait, je suis venu ici pour... Ah. De la bière, non, toujours pas. Ah, bah quand même, une infusion. Je sais toujours pas ce qu'il faut prendre. Du coup, je vais reprendre un bouclier. Parfait. Parce que franchement, c'est ce qui me fait bien kiffer. C'est assez utile. Et on continue. Ok, on est là. Là, on monte simplement. Parfait. Prime de risque 1 sur 10. Je suis full cristaux. Un voxophone. Et le seigneur comprit que la cruauté de l'homme était grande. Il se repentit de lui avoir donné la terre. Le déluge, pendant 40 jours et 40 nuits. Et il anéantit toutes les créatures. Voyez-vous, mes amis, le seigneur lui-même se réserve le droit de repartir de zéro. Et Columbia n'est rien d'autre qu'une nouvelle arche pour un temps nouveau. Très bien. Munition de pistolet, oui, santé, ça sert à rien, je suis à 100%. Les flingues aussi, je crois. Les cristaux, j'en ai plus besoin. Et du coup, bah, on repart. On repart. Là, on accélère un coup parce que c'est marrant. Par contre, l'aérotram, c'est vraiment un truc classe, quand même. Ok, il y a des gens qui parlent, mais je sais pas où ils sont. Et t'attends quoi de la part d'un anarchiste? Fitzroy les a dressés comme des chiens, ils sautent à la gorge. Ok, ils m'ont vu. Toi, je te balance. Toi, je vais la jouer comme ça. C'est de la folie, mon garçon. Par contre, je vais pas me baisser. T'es mort? Je crois pas. Il y a toi aussi, voilà, parfait. Bon, je vais sauter. On va recharger. Il y a un autre aérotram au-dessus. Si je trouve un moyen de grimper plus haut, je devrais pouvoir l'atteindre. Ok, des aigles. Je crois que la vie servait pas à grand chose. Soda, parfait, des cristaux. Je crois des cristaux. Où est le mec? Je ne sais pas où est le mec. Je vais vous faire la peau. Je pense qu'il est là-haut. On va regarder ça. Ouais, il était là, effectivement. Ok. Ils ont vraiment tout dévalisé, genre. Ils sont rentrés chez les gens en mode je m'en fous. Hein. Putain. Rôtez les armes. T'es mort? Non. Voilà, là t'es mort. Ah oui, carrément mort. J'ai tous mes cristaux donc ça sert à rien que je reprenne. De toute façon, ils... Ah bah non, mais je suis con, de toute façon ça se fait automatiquement. De toute façon, est-ce qu'on ne puisse pas? Ah. C'est quand même. Voilà pourquoi j'adore ce jeu, contrairement, enfin,
J'aime bien aussi les Bioshock Infinite 2, mais je les aime moins que le troisième, tout simplement parce que voilà, pour ça. C'est quand même magnifique. L'autre, on est quand même dans une sale ambiance. Hein. Reculez. Toi qui franchis le Delaware avec une épée de feu et des ailes angéliques, protège-moi et donne-moi la force. Père Washington, entends ma prière. D'accord. Oui. Ah, c'est efficace. J'aurais peut-être pas dû les tuer. Ils avaient rien fait. Mais je pense qu'ils allaient me sauter à la gueule à un moment. C'était des soldats. Les soldats dans ce jeu, on a remarqué que pour le moment, ils avaient une fabuleuse envie de nous sauter à la gueule en continu. Notre prophète. Je sais ce que vous faites là, faux berger. Je vois chaque péché qui pèse sur votre âme. Wounded Knee, l'agence Pinkerton, la boisson et le jeu. Et bien sûr, Anna. Anna ? Aujourd'hui, pour effacer une dette, vous venez prendre mon agneau. Mais certaines dettes ne s'efface pas, Booker. Vous savez rien du tout. Mon domaine est la prophétie, monsieur DeWitt. Le vôtre est la violence. Savez-vous pourquoi ces hommes mourraient pour moi? Parce que j'ai vu leur avenir dans la gloire, et cela leur suffit. Qu'est-ce qui vous amène à Columbia, Booker? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Ça va mal finir, DeWitt. Et enfin, c'est souvent le cas avec vous, pas vrai? Ça finit toujours mal. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez m'arracher mon agneau, mais votre houlette est mauvaise et votre chemin tortueux. Retournez dans votre sabbat. J'ai compris comment on faisait les pièges. Par contre, du coup, j'ai consommé tous mes cristaux. J'ai plus un cristal et j'ai pas pu suivre la suite de l'aérotrame. Ça se trouve, il y avait quelque chose. Oh merde. Ok. Là, tout sur lui. Je vais vous tuer. Parfait. Des cristaux. Tiens, parfait. On va repasser à ça quand même. Parce que je sens qu'ils vont être quelques-uns. Du coup, je vais devoir faire un peu de ménage. Effectivement. Je dois trouver les commandes pour rejoindre Monument Island. On est parti là-dessus. Ok. Pas de problème. Là, il y a des munitions. Non, il y a juste des aigles. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Et ici non plus. Est-ce qu'on peut tomber? Je pense en vrai on peut tomber. Du coup, on va éviter. Et on va... Le problème, c'est qu'il nous donne une option courir. Mais t'as jamais envie de courir dans ce jeu. T'as toujours un milieu de trucs à faire. Un milieu de trucs à fouiller, etc. Alors, comment voulez-vous que je cours après? C'est pas par ici. Ici, ça va juste s'ouvrir, ça va me tomber sur la... Je vais tomber du zeppelin. Ouvrir la porte, voilà. Ok. Ah, Lady Comstock. Je me souviens. Bonjour, mademoiselle. Je te ferai aucun mal. Ouais, on va pas lui faire mal. Même si je pense que je sais ce qui va nous arriver, mais... Je suis sûr que je peux le faire marcher. Le Seigneur, lui, peut tout pardonner, mais moi, je ne suis qu'un prophète. Rien ne m'y oblige. Amen. Et là, elle va se retourner. Amen. Oh merde! Voilà. Je m'attendais à un truc du genre. Oh putain. Bon, on saute. L'aérotrame. C'est bon.
c'est pas passé loin. Parfait. Bon, j'ai retrouvé quelques cristaux, ça va. Mais je m'y attendais à ce qu'elle fasse une connerie. Mais de base, je pensais qu'elle allait nous poignarder ou une connerie du genre. Ça, je peux toujours pas. La poubelle. J'ai combien de cristaux? Non, c'est pas ça. Pas de cristaux de thunes. J'en ai 865. Ok, ça suffit pas. Quittez la zone, c'est parti. Ah, c'est beau. Et on arrive à Monument Thailand. Nous y sommes. Monument Thailand. Ah, des sous. Je me demande pourquoi ils l'ont enfermé là. C'est vrai que du coup ils ont enfermé la fille dans Monument Thailand. C'est assez glauque. C'est fermé. Risque de mort, blablabla. Est-ce qu'on peut juste passer par là? Non. Par où passe-t-on? Par là-haut, évidemment. Suis-je bête, comme les policiers. Est-ce qu'il y a un truc derrière à fouiller? Non. Très bien, alors ne fouillons pas et allons-y. La progéniture du prophète doit s'asseoir sur le trône et se noyer dans les flammes. La montagne de l'homme et ça continue, mais on n'a pas la suite. Très bien. Ces gens sont complètement conditionnés. Un chocolaté, oui. Thune. Oula. Alors, t'avances. Voxophone. Je suppose que même dans une zone protégée, les Blancs ont besoin de quelqu'un pour laver par terre. Tous les jours, ils me félicitent pour la clarté de mon élocution, parce que je sais un peu lire. Mais est-ce qu'ils m'écoutent? Tu parles. Ils savent pour la chose en haut. Ils l'observent en cachette toute la sainte journée, tout en faisant semblant de ne pas savoir ce qu'elle fait à cet endroit. Oula. D'accord, genre, ils l'étudient à mort. Ça devient vraiment glauque ici. Café cristaux plus, oui. Argent, oui. Parfait. Donc on voit qu'elle a bien grandi. Par contre, c'est complètement buggy. Siphonne passive. Actionnez le levier. Je me demande à quoi ça sert. Un livre de poésie. Qui s'est transformé en je sais pas quoi. Un ourson. Qui a changé de couleur, d'accord. Ça, je sais pas ce que c'est vraiment. Mais y'a plus de tâches en tout cas. Et du sang dessus, et le sang a disparu. Ok. Ça fait des expériences très bizarres ici. Spécimen dangereux, ok. Ouais, enfin, avec ça, c'est vous qui êtes dangereux quand même. Hein. Pofi, je suis sûr qu'il a jamais rien demandé. Mais mon dieu, que c'est glauque. Salle de photo. Ils ont pris des clichés d'elle qu'ils ont ensuite fait imprimer et tout. C'est monstrueusement creepy cet endroit. Soda, oui. Tac, ça, ok. Utilisez le projecteur. Je comprends pas bien. Ils lui font faire des expériences et ils l'appellent spécimen en plus. La pauvre, c'est une fille quoi. Stop. Bon. Spécimen painting. Ok, c'est bon. J'en ai vu suffisamment. Ok, chef. Monsieur. Vous m'avez demandé de tout vous dire sur le prophète, donc voilà. Alors oui, j'ai bien remplacé tous les fusibles comme on m'a demandé. Et toutes les lumières marchaient hier. Hier soir. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à cette fille? Sortez! Que tout le monde sorte, vite! Ah! Ok, elle est peut-être un peu dangereuse. On va prendre les cristaux même si on est quasiment plein. Elle est peut-être un peu dangereuse, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Facility and safe, ok. C'est une chose d'imaginer son avenir,
C'en est une autre de le voir. Continue avec le bouclier. On remarque qu'on n'a pas beaucoup de vie. On n'a pas beaucoup de cristaux quand même. Je veux augmenter un peu les cristaux. Car j'ai vu les graines des flammes qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais c'est Élisabeth qui les sèmera, pas moi. Je chuterai avant que le travail ne soit accompli, mais elle reprendra le flambeau. Le Seigneur me rappelle à lui. Je peux sentir son amour dans chacune de mes tumeurs. Elle qui me rapproche chaque jour un peu plus de lui. Et je m'en vais la joie au cœur, sachant qu'Élisabeth prendra ma place terrestre. Mais le faux berger sera bientôt là, et il tentera de détourner mon agneau de son chemin. Je ne quitterai pas cette vie tant qu'elle ne sera pas à l'abri de ses illusions. Bon voilà, il a fini de parler, on peut y aller. Il fait vraiment que causer. Hein. Puis ce qui est bien, c'est qu'il en a répondu partout. Genre il a mis des voxophones un peu partout, en mode oui, oui, c'est normal. Ok, actionner le levier. Observation du spécimen. Ah, ça c'est le truc où elle faisait le code. On a vu tout à l'heure. Elle joue de la musique. Mais. C'est un laboratoire. Le dressing, c'est là que je dois aller. Bon, là il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis en tout cas. Faut dire que c'est une zone bien protégée apparemment. Bonjour. Ah, d'accord, faut juste attendre. On est où? Spécimen présent. Ainsi la voilà, Élisabeth. Elle a un dé à coudre. Ok, elle a changé d'endroit. On va refaire la détection de spécimens. Ça a mangé, très bien. Je suppose que c'est la salle juste après. Hein. Et donc là, on est dans Monument Island, la fameuse tour. Très bien. Actionne le levier. Voilà. Elle peint très bien en tout cas, la tour Eiffel est très bien faite. Wow! Bien sûr. Je sais pas ce que c'était. Mais de toute façon, c'est pas mon problème. Ok. Oui, bien sûr. C'est cela. La demoiselle peut décider d'aller où elle veut. Boulot. Ça n'a aucun sens. Ah, un voxophone. Rosaline Lutèce. Qu'est-ce qui rend cette fille différente? Je pense qu'il s'agit moins de ce qu'elle est que de ce qu'elle n'est pas. Une petite part d'elle-même a conservé ses origines. Il semblerait que l'univers n'aime pas trop mélanger les torchons et les serviettes. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Elle est juste là. Est-ce qu'on peut... Non mais le détecteur de spécimen, je sais bon, je sais où elle est, je viens de passer devant. Est-ce qu'on peut bidouiller un truc? Non. En tout cas c'est super bien foutu, hein. Genre ils ont décidé de faire tout un truc technique. Oh merde! Bon, très bien. Je peux le faire. Comment je flipperais, moi? Moi qui ai un vertige pas permis avec le vent, là, je pourrais juste rien faire du tout. Hop. Continue. Est-ce qu'on va enfin réussir à trouver l'endroit pour accéder à elle? Ah! Ah bah oui!
Bon, pas comme prévu, mais ouais. Bonjour. Oh, calme. Arrête ça, non mais arrête. Tu vas arrêter. Je veux pas te faire de mal. Qui êtes-vous? Je m'appelle DeWitt. Je suis un ami. Je suis là pour te libérer. Laissez-moi. C'est bien vrai. Aussi vrai que possible. Il arrive. Vous devez partir. Pourquoi? Il ne doit surtout pas vous trouver là. J'arrive tout de suite, je termine de m'habiller. Je peux te faire sortir d'ici. Il n'y a pas de sortie, croyez-moi, j'ai cherché. Arrête, sois un peu patient, ça suffit. Et ça, c'est quoi? Comment ça? La sortie, je me trompe? De quoi vous parle? Donnez-moi ça. La cage et l'oiseau, on avait vu ça quand elle... sur l'ouverture qu'elle avait voulu essayer de faire tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des trucs à fouiller? Apparemment pas. C'est la sortie! Sans deck. Non mais Oui, ouvre la porte quand même. Du calme. Venez, par ici! Oula! C'est quoi ce bordel? C'est ta mission de me garder enfermé! Ça coûte rien d'essayer! Je cours vraiment là? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Ah oui, ça a l'air. Attendez, là je marche normalement. Ah oui, je cours. On court pas vite en fait, j'ai pas fait gaffe. On court vraiment, vraiment pas vite. Oula. Ah oui, ok, y'a quoi dehors là? Parce que c'est quand même assez violent. Appelle l'ascenseur. Mais qu'est-ce que ça? Appuie sur le bouton. C'est quoi tout ça? Alors il me surveillait? Depuis le début. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont enfermé, hein? Je suis quoi? Je suis quoi, moi? Tu es la fille qui va s'enfuir de cette tour! Ah oui! Je sais absolument pas si ça fait un truc. Mais. J'ai rien trouvé d'autre. D'autres. Par là. Bon bah. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Il va détruire tout le bâtiment. Sois prudente, Elisabeth. Qui vous a dit mon nom? Pas maintenant. Vite. Merde, je suis en train de me casser la gueule. Je parle pas énormément, mais en même temps, j'ai du mal à en placer une avec tous ces personnages qui parlent. C'est vrai que, contrairement à Castlevania où. Ou à Alice où ils passaient leur vie à rien dire avec beaucoup d'exploration. Là, quand même, il y a une histoire très soutenue. C'est bien plus difficile de parler. Hein. J'ai l'impression d'être en cinématique continue en fait. Là, y a rien derrière. Non, y a toujours rien derrière. Par contre, il va falloir m'expliquer pourquoi est-ce qu'on va en haut. Si on est sur une tour qui a un espèce d'énorme oiseau qui nous attaque. Le mieux, ce serait de descendre normalement. Ok, je suis sur l'aérotrap. Et là, on carbure. On va faire ça un peu RP. Je suis pas sûr d'avoir les commandes. Ah, effectivement, notre tour se casse un peu la gueule quand même. Genre salement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la ville en bas. Mais dans ce jeu, apparemment, ils s'en foutent. Ah oui, genre, gros spécimen, même le truc qui nous attaquait. Là, c'est la merde. Hein. Ah, et on a reperdu Elisabeth. Très bien. Ça a l'air vénère comme machin. En tout cas, il supporte pas la pression. Et ça, c'est de la chance pour nous.
Monsieur DeWitt. Monsieur DeWitt. Ramenez la fille. Et nous effaçons la dette. Oula, maintenant il est là, elle. Oui. Vous êtes là, DeWitt? Hein? Qu'est-ce que vous lui voulez? Nous avions un marché, DeWitt. Dites-moi ce que vous lui voulez. Ouvrez cette porte, tout de suite. Vous allez lui faire du mal. Dites-moi ce que vous voulez. Anna. 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 C'est qui Anna? Là, on a Elisabeth, mais par contre... Bon. Ah oui, mais le prophète nous en avait parlé, Anna. Quoi, c'était une de nos erreurs ou une connerie du genre? Enfin, une connerie. Un truc du genre. Anna. Anna. Non, c'est moi, Elisabeth. Vous allez bien? Où je suis? De retour parmi les vivants. Tenez, je vais vous... Non, ça va aller. Vous avez failli vous noyer, vous devez... Ça va aller, je te dis. Laisse-moi juste une minute. Vous entendez? Oh, de la musique! Vas-y, continue. Très bien, je ferai vite, monsieur DeWitt. Allez, on retombe un coup. Faut dire, on a pris un sacré coup dans la gueule. Hein. Mais on s'en est très bien sorti, évidemment. Elle est où? Ah, et du coup, on a perdu toute notre vie. On récupère un peu de santé avec ce qu'on voit. On fouille dans le panier des gens parce que voilà. Vous auriez vu une jeune fille dans le coin? Une jupe bleue, cheveux châtains? Si c'est pas malheureux. Et si vous vous reposiez un peu, l'ami? Qu'ils me prennent. Pas besoin de se reposer, nous. Oh, un voxophone. Ed Gaines. Le prophète sait peut-être comment sa biographie se termine, mais. J'ai vraiment non, du mal à pas lui ici. Les histoires pour gamins qu'on peut voir dans l'antre des héros. Toute sa vie avant son baptême se résume en une phrase, je cite. J'étais abandonné sur l'autre rive. Hé hey, je cherche une jeune fille. Passer les 30 premières pages à recracher les textes sacrés. Ça c'est malin. C'est pas beauf du tout. Tranquille. Indirigeable. On va peut-être réussir à s'enfuir. Le First Lady's Aérodrome. Aux couleurs de Madame Comstock. Parfait, des cristaux et de la santé. Où est la musique? La musique est là-bas, très bien. Elle avait dit qu'elle allait voir la musique. On va chercher un peu, on va fouiller un peu quand même. Les temps changent. Les gens... On est en train de se faire juger par toute la plage, par contre. Nous pourrions peut-être nous promener sur le rivage, qu'en dites-vous? Non, ne comptez pas sur moi. Par contre, je crois que cette ville est la ville qui laisse le plus traîner d'argent au sol. Ok, mes cristaux sont à 100%. On fouille un peu dans les poubelles, voilà. Pas de sens des convenances, comme il disait. Regardez, mesdames, que quelqu'un lui tende un beau costume de bain. Oui, c'est cela, mesdames. Continuez de rire. Enfin, c'est ton frère. Regarde-le, il a l'esprit d'un enfant. On s'y croirait, pas vrai? Bon, on va la rejoindre. Je pense qu'il y avait... Avec les musiciens... Putain, et en plus j'ai réussi à me bloquer dans les textures. Un plan, c'est que c'est vrai. Est-ce qu'il nous a déjà conçu par le passé? C'est ça la vox populi. Ah, ça c'est la belle vie. Les vraies plages, mon ami. Voilà, parfait. On vous vole votre argent, vous dites rien et on continue. Hé, hey, oh. Elisabeth! Oh, c'est vous! C'est merveilleux! Oh, dansez avec moi, monsieur DeWitt! Non, je danse pas. Allez, on y va! Pourquoi? On est drôlement bien ici, non? Et. Si nous allions à Paris? Paris? Je ne comprends pas. Comment on irait? C'est là que va ce dirigeable, mais si tu veux rester et danser un peu, à toi de. Non, allons-y!
Allez, on y va. On y va, vite, allez. Je suis sortie. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est vrai pourtant. Oh, vous sentez ça? Je n'ai rien senti de pareil de toute ma vie. Bon, on va se couper ici parce que sinon on va jamais la suivre. Je ne sens pas comme ça. Du coup, on va s'arrêter ici et puis on continuera la prochaine fois. Moi, je vais enchaîner un deuxième épisode. Du coup, il n'y aura pas de problème de sauvegarde, etc. J'espère que celui-là vous aura plu. On aura quand même drôlement bien avancé dans l'histoire. La prochaine fois, bon, on continuera. Hein. Je pense, à mon souvenir, il n'y a pas beaucoup de secondaires dans ce jeu. Oh, des medicine balls. Du coup, ben, on sera obligé d'avancer dans l'histoire. Hein. Bon, en tout cas, on se retrouve dans le prochain épisode. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut à tous, c'était Ice Nano.